Un poquito de benzina para tu lindo canteo, Juanito, el mecano está más peta que turbo para que quieras el mejor. El mejor. Un poquito de benzina para tu lindo canteo, Juanito, el mecano está más peta que turbo para que quieras el mejor. El mejor. Hale hale, hale hale, cuatro ruedas del sol. 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 Un poquito de benzina para tu lindo coche, Juanito el mecano está pa' petar el turbo para que quieras el mejor. Para que quieras el mejor. Un poquito de benzina para tu lindo coche, Juanito el negro está pa' petar el turbo para que quieras el mejor. Para que quieras el mejor. Hale hale, hale hale, cuatro ruedas del sol. Hale hale. Un poquito de benzina para tu lindo canje, Juanito el mecano está pa' petar el turbo para que quieras el mejor. El mejor. Un poquito de benzina para tu lindo canje, Juanito el mecano está pa' petar el turbo para que quieras el mejor. El mejor. Hale hale, hale hale, cuatro ruedas del sol. Hale hale, hale hale, cuatro ruedas del sol. Hale hale, hale hale, cuatro ruedas del sol. Poor Wolf. I know how you are. You tried to help them. You told yourself that you wouldn't let them come to any harm. That you'd be there to protect them. I know, boy. But that isn't what actually happened. The kids are gone. And you. You couldn't do anything. You're here. Alive and well. Who do you think you are? Did you think you'd actually be able to make a difference? Well, Wolf, you were wrong, boy. Completely and utterly wrong. There's nothing anyone can do. There's nothing anyone can do. We must go now, Miss Jade. It's over, Double H. Finished. They're still alive, Miss Jade. Paige, the kids, they're all still alive.
Bonsoir à tous et bienvenue sur mon nouveau stream de Beyond Good and Evil parce que lundi c'est Jackie. Alors aujourd'hui, troisième partie de mon stream de walkthrough complet de Beyond Good and Evil. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais pas refaire encore la présentation du jeu. J'espère que vous étiez là les semaines précédentes pour tout ce qui était de l'année de sortie et de la présentation du jeu. J'espère que vous vous en souvenez. Je vais juste faire une présentation rapide de l'histoire de la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? La semaine dernière, on a découvert que, si vous vous souvenez, les sections d'assaut qui étaient censées nous protéger, les sections alpha, sont en fait contrôlées par les DOMS. Donc, on a découvert ça la semaine dernière.
Donc les Doms, je te rappelle, c'est les extraterrestres qui attaquent la planète. Donc on a fait ça la semaine dernière, on a investigué dans la fabrique de Nutril pour découvrir ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre la semaine dernière? J'ai gagné une perle contre lui là, au jeu de palais. J'ai bien ragé, mais j'ai réussi à le battre. Il était 23h, il n'y avait plus personne sur le stream, mais quelques personnes l'ont vu. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Je sais plus trop à part ça. Donc au programme d'aujourd'hui, je vais surtout faire des quêtes secondaires parce que là j'ai débloqué plusieurs objets qui vont me permettre d'accéder à de nouvelles zones. Une fois que j'aurai récupéré toutes ces perles, je vais continuer la quête principale, mais avant ça je veux nettoyer toutes les perles parce que si vous vous souvenez, la semaine dernière à la fabrique du Nutril j'ai gagné 2 clés. Et ça va me permettre d'ouvrir des portes en centre-ville. J'ai un canon qui me permet de détruire plusieurs trucs, enfin je vous montrerai tout à l'heure. Et on va aller retourner voir Mamago pour acheter un nouvel objet pour l'hydrogrisseur qui va nous permettre d'accéder à de nouvelles zones. Donc on va faire tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, on reprendra la quête principale. Donc ça devrait nous prendre à peu près 2 heures aujourd'hui. On verra jusqu'où on va. J'espère que le chat marche sur Hitbox. J'ai retenté Hitbox, on verra bien si ça marche bien ou pas. Alors, ah oui, on avait vu déjà que les semaines précédentes on pouvait pas accéder à cet endroit parce qu'on n'avait pas la clé. Et maintenant on a la clé donc on peut rentrer. Hop, première chose à faire. Et hop, une nouvelle zone découverte, les quartiers alpha. Donc les quartiers alpha, ça va être une zone un peu tendue, pleine de sections alpha, comme son nom l'indique. Hey, je crois qu'on a trouvé la faille, Moiselle Jade. Ouais, mais il faudrait que pousser. Le 1, 2, 3, pousser. Exercice de base, page 02. Ça bloque, Moiselle Jade. Alors, Rada... Comme tu dis, la semaine dernière, j'ai raté un animal dans le donjon, mais j'y ai réfléchi après et je sais exactement ce que j'ai raté. Et en fait, j'ai pas vraiment raté l'animal, c'est juste que quand je suis rentré dans la zone, il y avait des doms qui nous ont attaqué, les espèces de doms sarcophages, et j'ai oublié de les prendre en photo. C'est ce qu'on voit en fait dans les 5 premières minutes du jeu, c'est les premières ennemis, et j'ai oublié de les prendre en photo. Mais il me semble qu'on les revoit plus tard dans le jeu, donc il faut que je pense à les prendre en photo à cet endroit-là. Mais c'est pas vraiment un animal caché, c'est juste que c'est des ennemis qui m'ont attaqué, et que j'ai oublié de prendre en photo avant de les tuer, c'est tout. C'est un quartier bloqué par les sections alpha. Voilà. Soyez prudente. Merde. Ok, on se retrouve plus loin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très concentré, j'ai essayé d'expliquer à Rada. Allez. Alors Jackie, bonjour Jackie, ça serait peut-être cool que tu changes la police, enfin la couleur de ton nom parce que ça ne voit pas gris sur gris, c'est pas terrible. Oula. Alors là c'est la petite séquence Mission Impossible avec plein de lasers. Alors. Concentré. Hop, hop, hop. Allez, descends, couillonne. Ouf, c'est pas passé loin. Alors, c'est par où après? Ah oui, faut longer le mur. Hop, on passe tranquillou. On continue de descendre. Oula, oula. Allez, allez. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Ah. Ah. Allez, allez, allez.
Ouais, les tombes sarcophages, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu décris là, c'est les trucs facehugger, ouais, c'est ça. C'est Sarada. Hop, on descend, allez, hop. C'est par où après? Ah. Bon, tant pis. Alors. Alors, comme ça, il y a des coupures sur Twitch. C'est bizarre. Bah, désolé, Flagada, mais bon, ça doit venir de ta connexion parce que. Ou alors fais F5 sur la page, peut-être que ça va marcher, mais apparemment, justement, ça arrive sur Twitch, mais ça arrive beaucoup moins sur Hitbox. Oula, caméra qui fait des scènes. Alors, on s'infiltre. Ah putain, comment je saute déjà, je sais même plus. Couillon, tu veux pas sauter par-dessus là? Ah voilà, c'est ce. Je m'en souvenais plus. Une semaine que j'y joue. Va jouer. Bon bah, il y a l'air d'avoir du monde hein, ce soir sur le stream. Hein. Merci d'être là, Rada, ça me fait de la compagnie. Oula. Oh non! Oh là, oh là! Ah, salut Jibo! Tu m'as pas vu. Surtout que pour le délai, j'ai testé ce week-end avec Chinseiki, il y avait 5-6 secondes de chat. Bon, on a testé, j'étais plus dimanche après-midi, je crois. Bon, il y a personne. Et là, ça marchait. Alors, vous remarquerez que c'est section alpha. N'ont pas la bonbonne de gaz comme les autres. Je peux pas leur taper celle-là. Je suis obligé de m'infiltrer tout en discrétion. C'est par eux. Pas un truc à faire. Ah si. Tac. Ouais. Tac. Ouais. Un peu chaud là. Alors déjà, hop, des perles. Ça, c'est fait. 21 perles en stock, c'est pas mal. Ouais, une semaine et j'ai oublié la touche saut. En plus, les commandes sont un peu pas terribles. Bon, soit. Hop, on continue. Donc tout ça c'est des quêtes secondaires, c'est pas obligé de les faire pour finir le jeu. Mais si tu veux toutes les perles, bah t'es obligé. Alors lui il a une bonbonne. Il a une bonbonne. Mais il y a le drone en haut. Et je crois que si le drone nous voit, il peut nous tuer. Je sais plus, on va tenter le coup. Allez, on va tenter le coup. On va se le faire. Non, le drone s'en tape en fait. Bon. Soit. Ça sert à quoi ça? Ah ouais merde, c'est pour l'ouverture de la porte. Sans temps limité. Et ça passe. Ah putain, c'est vrai. Oh, j'aime pas cette phase. Hop. C'est du parkour ça. Hop. Je sais plus comment c'est là. Tac. Non. Ouais, bah voilà.
Rada, mon infiltration à la sulfateuse d'un Far Cry était très bonne. Ça marchait au moins. Là, regarde, je me fais voir, hop, je suis mort. C'est vraiment une phase de parkour un peu chiante cette phase. Hop. De ce côté, de ce côté. De ce côté. Voilà, ici. Oh putain. Oh putain. On va changer de côté. Sinon c'est bon. Tu t'en vas. Tout va bien. Allez, on avance. Gosh, il y a des sections alpha plein les sous-sols d'Ilis. Mieux vaut pas trop traîner ici. Alors, je récupère ça. Les boîtes de Kaburb. Ah, si tu aimes les 4 secondaires, Ada, tu peux faire. Comment ça s'appelle Kotor, que je suis en train de faire. Il y a un max de 4 secondaires qui sont très bonnes d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup de Kaburb. Enfin. Non, non, mais non, lui file pas le Kaburb. Oh! Putain, mais je voulais pas lui fier, je voulais le bouffer. Oh, tant pis. J'en rachèterai. Ouais, il avait qu'à se démerder, oh. Il est assez grand, WH. Ah, ça, je lui... Hop. Hop, hop, hop. Fais un peu de crédit. Alors, attendez que je regarde, pas de données. Bon. Donc, normalement, j'ai les perles là. Donc, tiens, je suis passé par un autre endroit. Ouais, c'est bien ça, je suis sorti. L'entrée et la sortie, c'était pas la même. Ouais, c'était bien ça. Je vais sauvegarder. Donc là, on voit que le reportage que j'ai fait la semaine dernière commence à porter ses fruits parce qu'il y a la... Ils commencent à se révolter les gens. On voit qu'ils veulent la paix sur Iris, la paix sur Ilis, la planète. Et grâce à moi, bah, ils commencent à découvrir la vérité. Ni Doms, ni Alpha, tous avec Iris. Donc on voit, ils manifestent. Ni Alpha, tous à... Alors, on va se garder. Alors, il me semble que Rufus. Non, Francis. Oui, c'est Francis. A une deuxième perle. Ah, voilà. Lui, il n'a pas encore retrouvé de perle, mais bientôt, il va avoir une deuxième perle à parier. Donc, il faudra rebattre Francis. J'ai assez galéré la première fois, mais il faudra le refaire. Les autres missions secondaires, alors que je me souviens déjà, faudrait partir par là, acheter des trucs. Attendez, est-ce qu'il y a des animaux dans le coin? Il y en a là-haut. Ok, là-haut, il y a un animal à prendre en photo. Des perles, il y en a par là. Ok, on va essayer de les retrouver. Alors. On va juste acheter... Ok. Quelques kebabs. Ça servira, faut toujours en avoir quelques-uns. Alors, après, il y a cette porte qu'on pouvait pas ouvrir avant, et maintenant que je peux ouvrir. Non, là, c'est juste un KGB, ça. Hop, des rats. En zigouillère. On récupère les trucs pour les crédits. Et là, il faut un code. Alors, si vous vous souvenez dans mon précédent stream, au premier étage de la Kudabar, il y a un mec, un ivrogne, qui, je sais pas, il fait la gueule, et il me donne le code pour cette
pour ce truc. Donc j'étais obligé d'attendre pour ouvrir la porte, mais maintenant, normalement, si je retrouve où c'est que j'ai le code, je devrais pouvoir... Ticket de chambre 3, ticket section, voilà, ça doit être lui. Oh, je vais juste le voir. Eh, comment je fais pour le voir? Info. R5T9. Alors, R5T9. Bam, et voilà, et une paire de puces. Et normalement, donc... Ah, j'ai déjà photographié, c'est vrai qu'ils sont dans un autre endroit. Dans la fabrique de Nutril, je crois qu'il y en a un. Il y a déjà cette espèce qu'on peut photographier. Donc voilà, ça c'est fait, c'était rapide. Après là il n'y a rien. Là il y a le QGT section alpha mais on peut pas y accéder, il faut la clé étoile qu'on va choper au prochain donjon. Les abattoirs. On revient voir Mingsu. Normalement Mingsu... J'ai pris en photo lui, ouais. Ouais, j'ai pris en photo. Est-ce qu'il y a une espèce d'animal chez lui? Non, il n'y a pas d'animal. Donc déjà on va acheter les perles. Identification compte. Okay. Il y a deux perles que j'ai pas achetées. Donc à coûter 4000 crédits chacune. Donc bon, maintenant j'ai les fonds donc... Hop, j'achète les deux. Voilà, 24 perles. Donc là, il m'ouvre la réserve. Et il y aura peut-être le dernier numéro du journal. Voilà. Donc ça, c'est l'Iris 513. Que j'ai fait pour mon dernier reportage à la fabrique de Nutril, qu'on va voir de suite. Hop, le lecteur il est là. Iris 513, trafic d'êtres humains à la fabrique de Nutril. Reportage, double H et chenille. Selon les sections alpha, les navettes entre la fabrique et les abattoirs assurent le ravitaillement de nos soldats. Mais nos reporters ont réussi à infiltrer les lieux. La fabrique dissimule en fait un gigantesque trafic d'êtres humains. Des centaines de victimes y sont acheminées quotidiennement sous la surveillance des sections alpha. Les sections alpha elles-mêmes sont contrôlées par les DOMS. Les sections alpha sont des traîtres à la solde des DOMS. Voilà, c'était un peu le résumé de l'épisode précédent. C'est le reportage qu'on a fait à la fabrique de Nutril pour mon dernier stream. Alors Rada, qu'est-ce que tu dis? Qu'il le cachait avec la main. Alors c'est pas le code que le mec cachait avec la main. Je crois que c'était, si tu te souviens bien, c'était en haut des escaliers, c'est la première porte. Parce que le mec qui cache le code avec la main, c'est celui qui est attablé, je crois, là, au rez-de-chaussée. Et qui ouvre la deuxième chambre. C'est pas la même. Bon, enfin, c'est un peu du détail. Est-ce qu'on peut grimper ici? Je ne sais plus. On peut rentrer ici? Totalement oublié. Ah oui, la zone de transit. Oui, c'est vrai, il y a une zone de transit que j'avais totalement zappé. Donc voilà, des trucs qui me reviennent. Hein. On peut pas frapper là. Non, on peut pousser, on peut pas frapper. Ouais, je suis pas pauvre, Rada, j'ai quasiment plus rien acheté en fait dans le jeu. Je crois que là, j'ai quasiment tout. Est-ce qu'il y a des trucs qui se cachent ici? Non. Il y a de l'activité par là-bas. Je vais jeter un œil. Je bouge pas de là. Alors ça, c'est une zone assez chiante, la zone de transit. C'est rempli de tapis roulants et c'est un peu prise de tête. Attends, tu sais, tu dis que t'es pauvre, mais il y a une façon de se faire de l'argent, hein. Tu te rappelles de l'astuce des rats? Ah putain, c'est vrai, Rada, j'ai oublié de citer Tonton Page, le tonton cochon qui a été enlevé. J'ai totalement zappé, tonton.
Oui, il a fini en jambon ou pas? Oui, donc l'oncle a été enlevé et il m'a légué ses chaussures qui vont servir bientôt, vous allez voir. Et il a été enlevé et on va quand même aller le sauver après, on va le retrouver. J'ai totalement zappé le cochon. Et à la place, on a Double H qui le remplace. Double H qui est une section alpha qui fait partie de la résistance et qui est totalement teubé. Garde pas de dire on casse pas le binôme. Merci Rada de me rappeler certaines choses. Mais c'est vrai qu'il est pas tout, tout cité par contre dans le reportage. Hein. Il a servi à rien. Alors, il y a des perles au bout, c'est bien, mais il faut passer toute la zone. Bon, on est assez guidé quand même. C'est que le début. Tac tac tac, il faut sauter. Hop, on passe par là. Donc là, faut pas se chier. Ok. Ah merde, ça m'apprendra à lire le chat en même temps. Ouais, il y a du décalage avec le chat parce que entre ce que tu racontes, Rada, et ce que j'ai raconté, il y a une nuit du décor quoi. Alors, attends. Serait-ce en haut, serait-ce en bas? Je ne sais plus. Si je vais en bas, ça va être où ça? Je crois que ça va être plutôt en haut, je dirais. On va partir en gros. J'ai envie de partir en gros. On peut pas passer par là. Tac tac tac. On passe par là. On est bon. On peut pas sauter là? Ah si. Donc là, va pas falloir se chier. Faut courir, 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 courir. Hop, c'est bon. Tac, 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 tac. C'est par où, c'est par où, c'est pas par en haut, ça doit être par en bas. Donc c'est par là. Ouais, j'ai jamais eu de chance sur les... Ah merde! Putain, moi! Un peu pas de cul, hein! Merde! Je peux passer là? Un peu tendu là! Je crois pas que ce soit par là, putain! Ah! Merde, Oum, je ne sais plus. Ouais. Je sais plus, je sais plus. C'est peut-être pas par là en fait. Peut-être passer de l'autre côté en fait. On peut grimper? On peut grimper ou pas grimper? Un peu bloqué là, non? Alors, il y a des perles au bout de cette zone. C'est obligatoire pour toutes les avoir.
Ah putain. Comment je fais pour passer? Allez, accélère, Poufias. Voilà. Je me suis fait bouffer, c'est pas grave. Voilà, c'est là. Tac, tac, tac. Je descends. Je saute et c'est gagné. Et voilà la zone de transit qui est faite. Il n'y a pas d'animaux photographiés. Ouais, et là on sort. On atterrit en haut et c'est fini. Un drôle de trafic de caisse et une perle. Tout ça pour une putain de perle. Alors, il me semble qu'il y avait un animal dans le coin. Ok, il est là-haut. Il est où? Il est dans la boutique. Ah bah oui, c'est lui, hein. Je l'ai pas pris en photo, c'est vrai. Voilà, l'aigle. Superbe cliché. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Là on est passé par là. Il reste une zone qui est là. Oh, Troufion, t'es où? Double H, j'ai besoin de toi. On va quand même bouffer avant. Oh, couillon, il est où, putain? Il est passé où, ce zouave là? Ouais, c'est où? C'est... Ah bah il était bloqué, voilà, putain de Troufion. Allez, double H. Ok. Carson et Peter. Voilà. Tête bien creuse. Les entrepôts alpha. Je vois où ça mène. Nino m'a parlé de l'endroit. Entrepôt secret des sections alpha. Bien reçu. Allez. Je ne bouge pas de là. Soyez prudent. Donc ça va être encore une zone Metal Gear. Infiltration. Discrétion. Y a pas de données, donc je ne sais pas. Juste avant. Photo, pas photo. Donc là, ça doit être sûrement là où il y a une perle. On va essayer d'y accéder. Je ne me souviens plus du tout de la zone, par contre. Ok, là, il y a un mec. Seul et tout seul. Perfecto. Discrétion, discrétion. Ah ouais, là c'est le drone qui se balade, il faut éviter le faisceau lumineux. Et il y en a un autre au bout. Alors. Oula. On peut rater là sur ce coup-là. J'y vais. J'y vais. Mais y'a rien. Je me suis foiré sur ce coup-là. J'ai une force.
fausse alerte! Oh merde! Oula, non, raté. Ah, je me suis bien chié sur ce coup-là. J'ai voulu aller trop vite. Ah non, oh, tu m'as pas vu là. Oh. À peine le temps de rentrer dans la salle, oh, couillon. Bon, allez, on se calme. Et on y va. Voilà. Ça, c'est fait. Allez, dégage. Comment ça marche déjà? Ah oui, c'est un temps limité. Tac, 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 tac. Allez, allez, voilà. Credit, credits. Hop, on va quand même choper la perle. Ok, j'ai tout nettoyé. Je commence à me refaire. Alors, ça va être encore un truc en temps limité. Mais là, il y en a deux. Oui, c'est bon, j'ai compris. Hop, ça passe. Et deux perles de plus. On peut passer là. Ok. Bon là, il n'y a pas le choix, faut courir. C'est une fuite. C'est à la Crash Bandicoot comme les premiers épisodes où il fallait s'échapper quand il y avait le rocher qui nous poursuivait ou des trucs comme ça. Un peu le même système. Voilà. Oh putain, oh putain. Bah ouais, mais là, je suis un peu bloqué. Ah putain. Par contre, je suis dégoûté, il y avait un truc qui était... Il y avait un truc au début du niveau qu'on pouvait choper, il y avait un truc qui était fermé, mais je me souviens plus du tout comment on y accède à celui-là. Allez, saute! Oh, couillonne! Ouh, pas passé loin. Mademoiselle Jade, tout s'est bien passé? Ouais. Ça va, mais vaut mieux filer d'ici avant qu'il ne découvre ce que j'ai récupéré. Donc, on peut pas ouvrir le truc? Bizarre. Bon, tant pis. Non, j'ai dû choper toutes les perles en fait. Il y en a juste donc au sud et ça c'est... Ça doit être le QG des sections alpha. Ça. Donc je peux pas encore y accéder à ces perles. Donc on a quasiment tous les perles du centre-ville.
Je vais retourner à la coude à barre sauvegarder quand même. Donc là, on a fini cette zone. Ce qu'on va faire maintenant, on va partir vers le nord. Alors, il y avait une zone qu'on ne pouvait pas accéder. C'était par ici. Est-ce qu'il y a des animaux par contre par là? Ouais, il y en a quelques-uns, on verra plus tard. Il y a la poiscaille là, mais je sais pas. Ouais, ça j'ai déjà photographié. Donc ça sert à rien. On verra plus tard pour les photos. Donc il y a ce truc là, déjà ça, au revoir. Ça permet d'accéder à une nouvelle zone. Donc par là et par là. Donc on va aller par là d'abord. Ah mais Rada, ce que tu me dis, il y a un truc, c'est que c'est ce que j'ai fait il y a 2 minutes quoi, c'est abusé. Je crois qu'il y a de plus en plus de délais sur le chat. Hein. Ouais, je me suis fait buter, mais il y a 2 minutes quoi. Et le truc que j'ai raté, peut-être qu'on peut pas y accéder, hein, c'est. Je sais pas. Mais bon, apparemment, il n'y a pas de perles, il n'y a pas d'animaux, donc c'est pas bien grave. Au pire, c'est quelques crédits, j'ai peut-être raté un cœur. Bon. Pas super important. Ok. Ça, c'est bon. Donc là, c'est on accède au sud de l'île avec Mamago. Alors, ce que je vais faire, c'est passer par là d'abord. Donc ça, c'est la grotte des pillards numéro 2. On avait déjà eu une... Attention, mademoiselle Jade, des pillards. Dans le premier stream, ça c'est la deuxième. Donc là, il me vole. Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle Jade. Vite, la porte se ferme. On va passer à un vue subjectif, c'est quand même plus sympa. Mais ça file moins la gerbe. Passe. Hop, hop. Hop, hop. Ouh, pas passé juste. Allez, viens là, toi.
et une perle de plus. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, après, il y avait un truc, je sais plus où ça mène. J'ai totalement oublié. Là, je sais plus du tout où ça mène, ça. Ah merde, je crois que j'ai folé. J'aurais dû les prendre en photo. Je crois que j'ai pas pris en photo ces trucs. Voilà, ça c'est fait. Oh, mais arrête de me taper. Ouais, il y a encore un max de délai avec le chat. Je crois que la prochaine fois, je l'ai dit, mais je vais vraiment repasser sur Twitch parce que bon, c'est abusé là. Ça fait deux fois et deux fois, c'est pas possible, j'ai pas de chance quoi. Alors. Un ouvre, je sais plus du tout ça mène ça par contre. Crochat, mademoiselle Jade, okay. Il s'enfuit avec une perle. Ok. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Ok, ça c'est fait. Au revoir. Ah, y a quoi là-dedans? Un cœur en plus pour le speed l'Overcraft. 3 minutes de délai. Ah ouais, non mais là c'est abusé quoi. 3 minutes entre ce que je fais, enfin. Putain, c'est pas où déjà. À vos ordres. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Merde. Oh. Ok, deux. Ah mais le chat marche très bien chez moi, hein. C'est juste qu'il y a un max de décalage encore. Hein. Là je le dis, mais la prochaine fois je repasse sur Twitch. Hein. Pas... Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Là, je commence à en avoir marre des 3 minutes à Twitch, au moins c'est 30 secondes, c'est constant, mais c'est 30 secondes, c'est pas 3 minutes quoi. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Voilà. Bien sûr. Ah putain, il est bloqué. Et vire-toi du milieu, double H. Voilà. Voilà. Crochax. Rien. Oh, casse-toi. Merci, mademoiselle Jade. Allez, 3 perles. Mamago qui va être content. Ah.
Ah mais là avec le délai j'hésite limite à repartir directement sur Twitch quand même, non, c'est... c'est super chiant quoi, 3 minutes c'est abusé. Donc ça c'est fait. Bon bah désolé pour les problèmes de chat, mais bon. Comme ça, on me dit ouais, viens sur Twitch. Et en plus c'est Bulltom qui casse les couilles pour que je vienne sur Hitbox et il est même pas là. Que tu te demandes pourquoi je vais revenir sur Twitch. Où est-ce qu'on va? Ah oui, la baleine, c'est ça que j'avais pas pris en photo. Je vais essayer de la reprendre. Si elle daigne apparaître. Allez, saute! Allez. Voilà. C'est bon, j'ai archivé le cliché. Donc il y a encore quelques animaux. Peut-être qu'il y en a à l'intérieur de l'île noir, au pire je referai l'île noir plus tard. Peut-être en oublier un ou deux. On le fera peut-être pour le prochain stream, les animaux et les perles qui me manquent. On va avancer un peu là quand même. On va retourner voir Mamago. Mamago, Mamago, Yakamamago. Et alors, qu'est-ce qu'on va acheter à Mamago? Ouais, la dernière fois j'avais déjà dit que je repasserai à Twitch, Jackie-chan, mais on m'a convaincu de retenter. Ouais, c'est un problème de serveur, ils étaient en train d'upgrader leur serveur, et s'il faut, ils referont pareil, j'en sais rien. Enfin, j'ai tellement de chance que la dernière fois je me tapais une minute des délais, il y en a 3 maintenant. Voilà, là par exemple, il y a Rada qui me parle de larve de Gold volante. Et je ne sais même pas de quoi il me parle parce que c'était il y a 5 minutes. Alors là, je vais acheter un petit kit de saut qui va me permettre de sauter les barrières rouges. Voilà. Et après, avec 20 perles que j'aurai bientôt, on va pouvoir acheter un stabilisateur aérien. Vous allez voir de suite à quoi il va servir. Donc là... Ouais, j'ai pas besoin de ça. Quoi qu'attendez, je vais juste voir. Non, il n'y a pas de vie, donc ça sert. Quoi que si, allez, je change d'avis, je vais m'acheter une boîte de kebabs. Identification compte. Ok. J'ai du blé. Une capsule de boost triple temporairement. Avec le set de pod, toute l'énergie de votre véhicule est régénérée. On va acheter ça. Donc c'est un peu dommage, il me manque 3 perles pour le stabilisateur aérien. C'est pas grave, on va les choper assez rapidement. Et on reviendra là, parce que je vous montrerai à quoi va servir le stabilisateur. A bientôt. Donc là, attaque, comme d'hab. Pas. Non ou pas? Ok. En général, quand t'achètes une upgrade, il y a une attaque. Bon, là, il n'y a pas d'attaque. Je suis à voir. Je ne sais plus par contre comment on saute. Alors, j'ai un kit de saut, mais je ne sais pas comment on saute. C'est génial.
Putain, c'est quoi le bouton pour sauter? Non, c'est pas ça. Ça, c'est la boussole. Putain. La molette, c'est pas... Putain. Ok. J'ai bien acheté le kit de saut. Putain. Je suis en train de me faire troller, quoi. Je suis en train de me faire troller. Je ne sais plus comment on saute et ce n'est pas expliqué. Oui, je l'ai bien acheté le kit de saut. Pop, 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 pop. Je sais plus comment on saute. Y'a quoi là? Ah, rien d'intéressant. Salut Jade, à la prochaine. Ah, y a peut-être pas de buff sur Hitbox, mais bon. Bon, c'est pas grave, on va aller débloquer le vaisseau et on verra plus tard. À part qu'ils décident en m'approchant des barrières de me dire comment on saute, c'est quand? Non, je m'approche des barrières, tu me veux pas toujours pas me dire comment on saute. Putain. Ah bah oui, clic droit, je suis con. Hein. Bah oui, c'est clic droit. C'est le seul bouton que j'avais passé. Mais avant, on va rentrer. Est-ce qu'il y a des animaux que j'ai pas trouvé ici? Oui, il y en a un. Donc il y a un animal que j'ai pas trouvé. Par contre, il doit pas y avoir de perles. Donc on va prendre l'animal en photo et on va faire quelque chose. Il est où l'animal? Il est là. Ah oui, je crois que c'est les mouettes. Il me semble que j'ai pas pris les mouettes en photo. Il me semble. Ou les goélands. Ah si, peut-être en fait. Si, j'ai déjà pris les goélands en photo. Il y a un truc que je n'ai pas pris en photo. Lui ? Qui se cache, je suis au bon endroit là. Ok. C'est où? C'est quoi? Pas toi. Là, y'a quoi? Putain, je sais plus du tout. Y aurait-il un truc à prendre en photo que je ne verrai pas? Ah ah! Bon, ben, on reviendra plus tard, là, je sais plus. Ça me reviendra peut-être plus tard. Putain, il me semblait pas que j'avais bloqué sur ce passage avant. Faut pas voir un truc d'ici. Pas un écureuil planqué dans l'arbre ou quoi? Bon. J'ai pris en photo le clébard. Oui. Lui, c'est un homo sapiens, donc rien à signaler. Ah ah, je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est pas grave. Ça, je l'ai pris en photo, c'est les premiers trucs. La chèvre, je l'ai prise. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est où déjà? C'est où? C'est où? C'est où? C'est où? C'est là. Alors, si vous vous rappelez... Alors, tonton, avant de se faire enlever, il m'a... Enfin, il s'est fait enlever et après j'ai retrouvé sa paire de godasses. Et si on regarde sous la paire... Ah, merde. Si on regarde sous la paire de godasses, il y a des codes. Style W5N8. Et là, comme par hasard, il y a les godasses de Page qui sont sur le tableau.
Enfin, j'ai montré au début du stream qu'il y avait des ordinateurs derrière ces tableaux. Entre-temps, je vous parle, j'ai complètement oublié le code. Putain, W5N8. Donc on va rentrer ces codes. W5. Voilà. Et deux. Mais là, on voit pas encore ce que ça fait. Bientôt. Ouais, ça va, Radar, tout point de ma gueule. Et c'était il y a bien bon 5 minutes que je savais plus comment ça marchait. Hein. Donc ça a un peu de retard sur les vannes, là. Ah ah. Qu'est-ce que ça me gonfle, je fais 5 minutes de retard. On va aller, on retente le coup, là. Ça m'énerve. Et pourquoi il y a un animal, là? C'est où? C'est dans le ciel? C'est... Ah quoi que je crois qu'il y a un... Il me semble me rappeler de quelque chose que j'ai pas pris en photo. Mais je crois qu'il faut attendre qu'il fasse nuit. Oh, je reviendrai plus tard aussi. Je suis pas sûr de prendre d'avoir pris les Dvorak en photo. Mais c'est que la nuit qui sont là. C'est pas grave, on verra plus tard. Parfait, il faut sûrement rentrer le deuxième code ailleurs. Ouais, t'es un génie toi. Non, c'est pas sa bonne touche. K5B8. Donc deuxième ordinateur. K5B8. Et là, tadaaa! Et voilà le vaisseau! Le vaisseau de Paige. 20 ans, Paige. Tu m'as caché ça pendant 20 ans. Il voulait sans doute vous protéger. Le Beluga. Et un stabilisateur aérien. Un seul. Donc là, avant de rentrer dans le Beluga, je vais juste vous montrer quelque chose. On va les lire. Le disque. Donc il manque un stabilisateur aérien. Enfin, il en manque deux. Il y en a un qui était sur le bureau, il faut acheter le deuxième. Le moteur stellaire pour aller dans l'espace est manquant. Et c'est la dernière chose à acheter. Salut Jackie. Même si tu n'auras ce message que dans 5 minutes et que tu ne seras déjà plus là. Bonne nuit quand même. Donc je commence à mettre un stabilisateur aérien. Et là il manque le deuxième. Il me manque 20 perles pour les acheter. Alors là on peut grimper. Et je crois qu'il va tenter de décoller, mais comme j'ai pas les stabilisateurs aériens, bah, ça sert à rien. Voilà. Impossible de maintenir l'assiette. Si on veut décoller, il faut un stabilisateur aérien par réacteur. Je vais revenir en haut, je vais voir s'il fait nuit. Avec un peu de chance, il va faire nuit. Est-ce que je peux choper les Dvorak? Est-ce qu'il y a des Dvorak? On va couper le bouclier, ça ira mieux. Bouclier désactivé.
Je vois les étoiles, je vois le ciel, mais je ne vois pas les voraques. Ah, c'était ça! Des putains de lucioles! Des lucioles, superbes! Bon ben voilà, je m'en souvenais plus qu'il fallait attendre la nuit pour, pour voir ces putains de lucioles. Soit. Mais n'empêche, il me semblait qu'il y avait des douraques qui étaient au sommet. Bon. Ça remplaçait les mouettes la nuit, mais je sais plus. Donc là, maintenant que j'ai le kit de saut, on va pouvoir débloquer de nouvelles perles. Il est quelle heure? 22h05, déjà une heure de passé. On fait pas mal de quêtes secondaires, là on avance bien sur les perles. Donc là, je vais passer de l'autre côté de la barrière. Je vais essayer de pas me chier. Voilà. Alors, premier truc à faire, photo. Parfait, je l'inclus dans la liste. Voilà, un de plus. Je sais plus ce qu'on peut faire ici. Il y a des trucs. Il y a des trucs, mais je sais plus. Donc là, il n'y a rien. On devrait rapidement... C'est quoi ce point d'exclamation? Je sais... Ah oui, les abattoirs. Vous sortez des eaux voilà, donc là... Là, on est aux limites du monde, donc faut faire demi-tour si on veut pas se faire exploser la gueule. Donc les abattoirs sont là. Vous l'avez trouvé? J'étais sûr que c'était plus qu'une simple légende de pêcheur. Ok, c'est gentil. Dans quoi on peut accéder? Plusieurs trucs. Mademoiselle Jade, l'entrée secrète est dans la course 3 des abattoirs. 3 devant. Je crois que c'est... Regarde ça. Encore un bateau coulé par les Doms. Shoni, double H. Nino a réussi à télécharger des vieux plans des abattoirs. Il semble que la troisième course du championnat passe juste sous le mur d'enceinte. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire une course. Ça, c'est deux nouvelles courses. C'est deux nouvelles courses pour gagner des perles. Et sur la course 3, il y a l'entrée aux abattoirs. Mais avant ça, on a d'autres trucs à faire. Je veux pas y aller directement. Je veux pas y aller directement. Je vais d'abord aller là. Il y a des animaux par là. Il y a des perles. Là, il y a une perle sûre. Tiens, il y a une perle ici aussi. Ok, ok, ok. D'accord, très bien. Je m'en souvenais plus. On va d'abord aller là. Sans se faire exploser par la baleine. Vous sortez des eaux territoriales. Voilà, ça c'est la dernière grotte des pillards. C'est la numéro 4. Attention, mademoiselle Jade, des pillards! Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle Jade! Ça, c'est la plus compliquée. Oh putain. Oula, 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 oula. Oh putain. Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. On recommence, c'est pas grave. Attention, mademoiselle Jade, des pillards! Ouais,
je vais pas passer en... Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle Jade. Putain, mais faut faire quoi? Allez, putain! Oh là, je suis nul. Putain, je sais plus du tout ce qu'il faut. Pourquoi ça me ralentit? Attention, mademoiselle Jade, des pillards! Ne les laissez pas s'enfuir, mademoiselle plus, Jade! Là. Allez, accélère! Ah putain! Oh la putain, j'ai raté le virage. Ah oui, je suis con, on peut sauter, j'ai totalement oublié qu'on pouvait sauter. Oh, je suis trop anglant. Non, 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 non. Allez, putain. Pff, oh, chier. Attention, mademoiselle Jade, des pillards. Ne les laissez pas s'enfuir. Bon, désolé pour cette loose en série. Hein. Au moins, je me rappelle maintenant qu'on peut sauter, quoi. C'est pas fini encore. Ouh. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est fini. T'inquiète pas pour tonton, Rada, il se débrouillera tout seul. Vous sortez des eaux territoriales. Ouais, ouais, je sais. Tais-toi. Ah, j'étais tout seul, Rada. En même temps, avec 3 minutes de délai, ça m'étonne pas des masses, quoi. Bon bah tant pis si ça intéresse personne. Moi ça me fait plaisir. Heureusement que t'es là en tout cas, merci. Plus personne qui veut venir me voir. Oh, faut pas rentrer? Ah si. Encore une nouvelle grotte des pillards. Attention mademoiselle Jade, des pillards! Ne les laissez pas s'enfuir mademoiselle Jade. Je suis à peine de me refaire que je recommence. En même temps, peut-être que c'était tout seul, il y aura moins de lag sur le chat. Hein. Qui sait? Ouais, c'est bon. Ah, propos. Aïe, aïe, aïe. Ça passe.
pas ce qui se passe, mais ça tremble en tout cas. Allez, 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 ça passe. Ok, 19 perles. On va continuer dans la collecte des perles. On va revenir en centre-ville. Mademoiselle Jade, il faut aller à la course 3, celle des abattoirs, derrière le phare. Alors, attends, Rada. Vu que je te tutoie maintenant, vu qu'il reste plus que toi, je ne sais plus trop où c'est. Si, c'est par là. Là, il y a des perles. Hop. Limite, ça se dit pas qu'on passe sur Twitch, là. Il n'y a plus que nous. Moi, il y aurait moins de lag. Il y a des trucs qui se cachent par là. Je ne sais plus quoi. Ah, il y a une perle, voilà. Je savais qu'il y avait une perle. Je sais plus s'il y en a d'autres. Oui, il y en a une autre. Ah non, c'était celle-là. Donc normalement, il n'y en a plus. Voilà. Là, il n'y en a plus. Ah, tu kiffes le Die and Retry, Rada, c'est bien. C'est bien parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde dans le coin, sinon je migrerais bien sur Twitch en fait. Alors ce que je vais faire, Ada, je sais que tu auras ce message que dans... Que dans 5 minutes, mais vu que t'es tout seul, on va migrer sur Twitch. Non, au moins, tu pourras te foutre de ma gueule en direct. Enfin, avec moi et Décor. Hop, je vais sauvegarder la partie. J'arrête et je vous dis à 3 minutes, enfin, je te dis plutôt à toi, Rada, à 3 minutes sur Twitch. Parce que là, ça me casse les couilles. Allez, c'est reparti, on reprend. Cette fois, on est sur Twitch. J'espère qu'on n'aura pas 3 minutes de délai entre le chat et. Entre le chat et la vidéo. Donc, merci d'avoir suivi Rada. Donc, on voit que j'ai oublié un animal. Donc, pendant qu'on est là, on va le prendre en photo. Tant qu'à faire, on va essayer d'aller assez vite. Bon, je vois que t'es la Rada, c'est bon. Dis-moi si ça marche mieux. C'est bon. Je sais plus où est le bousin.
Bah, ça marche plutôt bien Twitch en général, je sais pas pourquoi tous les gens le disent. Ok, je reconnais que des fois il y a des problèmes de réseau, de buff, tout ça, mais bon, en général. Le stream s'est coupé pendant que j'étais en pleine course-poursuite? Bizarre parce que non, j'étais allé jusqu'à la fin, j'étais revenu, j'avais sauvegardé, j'avais coupé exactement là où j'ai repris. À l'heure actuelle. En fait, j'ai fini la course poursuite. Ça devait être. J'ai fait, de toute façon, les deux trucs des pirates là. Donc, j'ai chopé deux perles et après, en fait, je voulais continuer. Je suis revenu en centre-ville pour choper une perle et je suis revenu à l'île au noir. Et là, je suis revenu au donjon 2 parce que c'était le point de sauvegarde le plus près. Et au passage, j'ai vu qu'il manquait un animal, donc j'ai décidé d'aller le prendre en photo. Au pire, tu choperas ça sur le replay. Ah, 20 secondes de délai au moins, tu as vu, c'est au moins c'est plus tranquille. C'est où ce truc qui se cache dans le coin? Ah oui, je me souviens. C'est ça que j'avais pas fait. Il est où? Il est où? Voilà. Les planaires détestent la lumière. Il est rare qu'ils sortent de leur tanière. Ok. Ta pellicule est terminée. C'est bon, je te transfère une perle. Ouais, donc. Et je réinitialise ta pellicule. T'as raté la perle que j'ai chopée en centre-ville, Rada. Sur un côté, il y avait une perle cachée dans derrière des lasers que j'ai sauté. Et donc, il y avait une perle en centre-ville. Voilà, c'est le seul truc que t'as raté. Et la fin de la course-poursuite. Mais bon, à part ça, t'as pas raté grand-chose. Au pire, tu regarderas le replay que je mettrai sur YouTube après le stream. À quelle heure? 22h24. On n'a pas trop avancé dans l'histoire aujourd'hui, mais je prévoyais ça. C'était assez prévu. Je calculais qu'il me faudra 5 soirées pour vraiment finir tout ce que je veux faire. Donc là, je fais quasiment toutes les quêtes secondaires. On va peut-être commencer la quête des abattoirs. Là, j'ai beaucoup de perles. Ouais, voilà, 17 secondes de délai. Merde, je me suis planté. C'est vendu. La semaine prochaine, je serai de retour sur Twitch. Marre de hitbox et des putains de 3 minutes de délai. Faut pas se foutre de la gueule du monde. J'ai essayé deux fois, ça suffit. Donc si tu veux, tout à l'heure je te remontrerai où j'ai chopé une perle. Puisque t'es tout seul, tu mérites des explications. Il doit y avoir des trucs par derrière. Hop. Oh ouais, du calme, du calme. Il y a des trucs à choper là. Il y a des perles. Il y a un animal. Mais je sais pas exactement où il est. Je commence à avoir bien nettoyé la zone quand même là. Ok. Donc là, il n'y a plutôt pas grand chose. Je sais plus exactement. Mais oui. Bon, on peut pas péter la caisse. Donc là j'ai pris en photo, bon y'a rien de spécial. Lui j'ai pris en photo. Hop, je reviens centre-ville. Alors là où il y avait la perle, en fait c'était juste là. Voilà, c'est là. Là tu peux passer, t'as un petit passage, hop, tu passes par-dessus. Et donc là au fond il y avait une caisse qui cachait une perle. Alors pour te répondre, Rada, non pour l'instant je suis plus un binant et tonton puisque tonton est enlevé, donc j'ai toujours Robocop et moi double H. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier. Dernier niveau où là je te retrouverai Danton. Pour spoiler un peu, mais bon, sans doute en même temps.
Alors là, comme j'ai assez de perles, je vais retourner voir Mamago. J'espère qu'ils auront un stabilisateur en stock. Je sais plus s'il y en a en stock dès maintenant ou s'il faut attendre d'avoir fait les abattoirs. Salut, madame la reporter. Hop, le stabilisateur. On n'a plus de stabilisateur aérien. Ah, c'est ça, ouais. Les météodomes ont détruit notre stock. Ah, il est pas en stock, faut que j'attende de finir le... les abattoirs pour pouvoir en acheter un. Il bloque quand même un peu. Il donne pas accès au vaisseau dès maintenant. Alors qu'on pourrait y avoir accès, mais bon, il bloque. Ça va, c'est pas grave. Salut, Jade! Après, les abattoirs, les courses maintenant, c'est tout ce qu'il reste à faire. Je pense avoir fait le tour d'à peu près tout. Bon, avant, on va essayer quand même de gagner les courses. Mademoiselle Jade, il faut qu'on cherche le passage secret si on veut infiltrer les abattoirs. On va aller faire à la... Les trouillards, les gonzesses, là, les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Allez. Allez, ça attaque là. Chaud là, chaud. 2, 1, go! Un poquet de vente la para tu lido cantier, Juanito, el mecano, el papa, petra, le turbo, para que quiera ser mejor. Un poquet de vente la para tu lido cantier, Juanito, el mecano, el papa, petra, le turbo, para que quiera ser mejor. El mejor. Ale, 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 cuatro ruedas. Bon, pour l'instant, c'est pas gagné, je vois rien. Oh putain. Bon, c'est pas gagné là. Sixième là. Ah merde, quatrième. Bon, perdu. C'est pas grave. On retente le coup là. Je commence à connaître le circuit. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Allez, putain, il y a toujours un décalage. Para que quede ser mejor.
Dernier tour pour le petit nouveau. Allez là, je suis bon là, je suis bon. Bon, j'ai bouffé des boosts, c'est pas grave. Allez, une perle en plus. Hop, et une perle en plus. Des crédits. Ok, course 4. J'aurais dû racheter les boosts, c'est pas grave. Il va falloir faire nos preuves, mademoiselle Jade. Ce ne sont pas des temps. 13, 2, 1, go! Allez. Hop, petit raccourci. Deuxième tour pour le petit nouveau. Allez, casse-toi. J'ai pas arrivé à le doubler. Mais ouais, on est en tête là. Allez, allez, allez. Concentré là. Je fais la course en tête là. Mais ouais, clair. Tac, tac, j'enchaîne. Hop, raccourci. Tac. Bam. Record. Ok, ça c'est fait. On va refaire la course 3 pour rentrer dans les abattoirs maintenant. On est repassé à une minute de délai. Les trouillards, les gonzesses et les morveux, il vous reste encore 3 secondes pour abandonner et retourner à votre tricot. Incroyable. J'ai plus rien qui marche chez moi. Je crois que je vais me retirer de Twitch bientôt. De 17 à 55 secondes de délai. 13, 2, 1, go! Bon là on les laisse partir, on en a rien à foutre vu que de toute façon c'est l'entrée des abattoirs qu'on veut. Je sais même pas où c'est l'entrée. Je sais pas du tout. Je sais pas où c'est l'entrée de l'abattoir. Ah si, ça doit être là. Hop, voilà. Ok, on est sur la route des abattoirs. Donc c'est parti. Il est quelle heure? Il est 22h37, on a encore un peu de temps. Les anciens abattoirs, on est sur la bonne route. Là c'est tout droit. Faut éviter tout ça là. Attention.
Hop. Attention, elle est encore là. Oula. Mais ouais, je vois, je vois. Ouh, là je voyais pas. Et voilà. On approche. Voilà les abattoirs. Ouais, Rada, je vois qu'elle est dégoûtée. Je suis dégoûté qu'il y ait autant de délais. Je sais pas pourquoi, depuis ces dernières semaines, il y a autant de délais. Hop, un animal en plus. Ah, là je crois que j'ai atteint la dernière pellicule. Parce qu'à la fin il te file un truc séparé. Ah ouais, c'est là où il y a les mines. Oh, c'est chiant ça. C'est passage un peu chiant ici. Faut pousser la caisse sur la mine. Oula, oula. Ouais ouais, je me casse, c'est bon. Je crois que tu peux pas passer, il me semble. Ouais, c'est ça, tu peux pas passer. Regarde, là il y a un truc derrière. Tu peux passer. Attends, il est où ce putain d'animal? Ouais, il est... On ne passera jamais en force. Ouais. Moi, je te ferai péter tout ça avec une torpille. Ouais, là, ça marche pas. Attends que je me souvienne. On peut pousser la caisse, je crois. Essayer d'éviter là. Attends. Voilà. Allez, go. Animal donc par là tout droit. Oula 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 oula. Voilà. Lacoste. On va acheter des trucs. Identification compte. Ok. Ça va servir ça. Avec le pot, une boîte de kabobs régénère votre énergie. Ça sert toujours. Donc il est où l'animal? Dans le coin là. Donc là il va se pointer normalement. Et si je me souviens bien, ça va être les trucs que j'ai ratés la dernière fois. Donc dès que je vais rentrer dans l'ascenseur... Voilà. Putain.
Je veux juste une photo. Mais tu m'emmerdes, je veux une photo. Putain. Oh putain, ça me gonfle. Bien, voilà. Ok, je... Voilà. Oh, cette caméra. Bon, j'ai galéré, mais j'ai fait ma photo. Donc là, je suis content d'avoir fait ma photo. Je vais essayer de regarder. Ça a l'air d'être le seul passage. On doit pouvoir écarter les portes. Ouais. Si tu le dis. Allez, pousse. Bougez pas, monsieur Chat. Piste dégagée. Bravo. Alors, Ada, le but du donjon, c'est de... donc, on a vu que... Les personnes qui étaient enlevées passaient d'abord dans la fabrique de Nuitril et après elles étaient dans les abattoirs et des abattoirs apportaient vers la Lune. Donc là, le but c'est de faire un reportage pour démasquer encore les personnes qui. Enfin, voilà, les activités de ce qui se passe dans les abattoirs. Et au passage, le tonton il est censé transiter par là aussi avant de partir vers la Lune. Donc on va essayer de le choper avant qu'il s'en aille et on va essayer de le libérer. Okay, sauvegarde et c'est bon. Attends. Donc là j'ai ouvert la porte. Je dois pouvoir passer. Ouais voilà, ça passe. Ça frotte un peu mais ça passe. Putain, je sais plus du tout comment ça marche là. On va passer en force hein. Parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Je ne vois rien. Ce passage en force. Il n'y a pas d'animaux, tout va bien. Oh putain. Merci la soufflerie. Hop, 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 je ne sais plus par où, c'est par là. On va péter tout ça. Ah merde, ça respawn. Hop, faut grimper. Oh putain. Putain, je sais plus, tu peux grimper là ou quoi? Je m'en souviens plus du tout. Ah, je redescends. Merde. Non, j'ai rien changé pour le. Je vois qu'il y a le délai, ça grandit, mais j'ai strictement rien changé dans les paramètres. Tout est comme avant. Hein. C'est. Après, ça vient peut-être de ma connexion, hein, mais enfin, si la vidéo est là, je vois pas pourquoi le chat se décalerait. Hein. Si la vidéo, j'envoie la vidéo toujours à la même vitesse, donc. Hop.
Donc là, Rada, j'ai eu mal à m'expliquer du pourquoi ça marche pas. Pourquoi il y aurait un mini délai qui s'accumulerait, franchement. Bon, je sais plus du tout par où faut passer. Oui. On va fouiller par là. Ok. Je crois que ça c'est la sortie. On peut monter. Attends, c'est par là d'où je viens. Ah oui, je crois souvenir. Il faut monter, ça va débloquer une caisse. Ouais, c'est ça. Là, t'as une caisse. Hop, là, je sais plus ce qu'il y a. Non, mais y'a rien en fait. Pas d'animal dans le coin, il me semblait qu'il y avait un truc. Non. Oula. Voilà. Là, ça nous ouvre la porte. Salut Arcane. Ah, ça bufferise, arrête, avec c'est pas avec mon débit de merde que ça bufferise. Voilà, là il y a un animal. Bon travail. Il y en avait 3 minutes de chat sur Hitbox, donc on a un peu switché sur Twitch. Ah, mais ça me fait déprimer, il y a toujours un souci des deux côtés quoi. C'est horrible. J'essaye de faire un stream sympa et... Un coup t'as 3 secondes de délai, de l'autre côté t'as du buff. Putain, super chiant. Alors, paf. Ok. Pris au piège. Non mais de toute façon j'utilise pas Quick Sync, c'est le truc de Nvidia et de toute façon je... J'ai repéré les positions probables des activités alpha. Ok, sympa. Je vois pas pourquoi, de toute façon, l'encodage, ça changerait quelque chose pour le chat. Là, c'est vraiment le délai de chat. C'est le moment entre tu tapes quelque chose et ça s'affiche à l'écran. Je comprends pas du tout. Quelle heure, 22h50. Peut-être s'arrêter bientôt, là, dès que je chope un... Une sauvegarde, je pense que je m'arrêterai là. Paf paf paf, allez, longe. Trop étroit pour moi. Je couvre vos arrières, Moiselle Jade. Ok. Un espèce de mini-boss affronté. Pas super compliqué, surtout que c'est pas trop visé, et voilà, c'était pas trop compliqué. Identification compte. Bon, on a plein d'argent, okay. Donc autant acheter des kabobs là. Une boîte de kabobs régénère toute votre énergie. Oula putain, oula caméra. Caméra qui part totalement à n'importe quel wack. Là ça doit pas s'ouvrir. Si ça s'ouvre. Ok.
un truc à faire là. Ouais, ça se referme, il y a un timeout. Je m'en souviens, je m'en souviens. Oui, en même temps, oui, le délai du chat, c'est aussi le délai de la vidéo, puisque c'est ce que j'affiche. Oui, je sais pas trop, là, faudrait que j'investigue. Faudrait tester sur un autre stream. Il y a des animaux que j'ai pas chopé, là. Tiens, il y en a un, là. Qui est là-bas. Je verrai tout à l'heure. Donc, il y a un animal qui est là. Il y en a un plus loin. Donc là, il y a un truc à choper, là. Allez, touchez. Ah, petite carte. Mais c'est bizarre quand même. Rada, parce que regarde, en 5 minutes de stream au début, on avait quoi? On avait 20 secondes de délai, et en l'espace de 10 minutes, on est passé à presque une minute. Donc. Oh! J'y arriverai jamais tout seul. J'ai du mal à comprendre. Donc l'accès au funiculaire, je suis un peu bloqué. Ça va être la dernière zone. C'est peut-être la sortie en fait, ça. Peut-être qu'on va... Ouais, je crois que c'est la sortie en fait, on va sortir de là-haut. Ouais, donc faudrait que je fasse des tests, que j'investigue pour le délai, mais bon, c'est... C'est quand même bizarre. Parce qu'en l'espace de 10 minutes... D'avoir 50 secondes de délai, quoi. En plus. Ah merde, j'ai pas vu, caméra de merde. Putain, il me semble qu'il y a un truc à faire là. Je suis quasiment sûr qu'il y a un truc là. Je ne sais plus quoi exactement. Parce que là, il y a un animal. On va s'arrêter bientôt, je sens. Il y a un truc à faire, mais je sais plus trop quoi. Faudrait que je prenne le temps de réfléchir. Ah oui, il y a un truc là. Il me semblait bien. Mais je crois qu'il faut faire en sorte que Double H passe. Attends. Oui, je crois que je commence à comprendre. Donc là c'est un peu chaud quand même. Ah non, mais je sais, je suis obligé d'appuyer en fait.
Allez, double H, saute. Voilà, et je m'accoste juste derrière. Comme ça, lui, il peut me suivre. Et là, normalement, je monte. Tac, tac, tac. Ok. Et il appuie. Voilà. Bingo. Donc là, normalement, il y a deux trucs. En fait, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien ce que je suis en train de faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas trop ce qu'il y a là. Là, il y a un truc, il y a un animal là. Tout droit. Il est au fond. Les rats, j'aime pas les rats. Oh, viens là. Mais tape, wow. Ah oui. Oui, oui, oui. Attends, comment ça marche? Bien reçu. Ok. Plus que 4 animaux du jeu? Ok. Là il y en a 2. Ouais. Ah, ça a l'air d'être bon. On va savoir la dalle, moi. Hop. Appuyer. Voilà, c'était un petit truc pour trouver un animal. C'est vraiment des trucs facultatifs, mais si on veut faire de la collectionnité, trouver tous les animaux du jeu, ben voilà, petite énigme. Ah, rappuyer machin. Il me semble, je sais plus, il y avait un truc là-haut. Ah si, peut-être là, en fait. Peut-être, peut-être. Ah, il y avait bien un truc. Je sais. Oula. Ok. Là c'est cassé. Là on peut pas passer. Là y'a quoi? Ouais, un cœur pour le vaisseau. Ça peut toujours servir. Donc là y'a plus rien. Ah oui, c'est ça, et ça donne sur la zone arrière. Voilà.
je disais tout à l'heure qu'on en reviendrait par là. En fait, non, je savais bien qu'il y avait une zone cachée dans le coin. Hey, si tu ne peux pas défoncer la porte, contourne-la. Carlson et Peter, opus 4. Bravo, Moiselle Jade. Ok, ça c'est fait. Donc après, on peut redescendre là. Il faut continuer tout droit. Donc là, il va y avoir des animaux bientôt. Apparemment, il y a deux animaux dans le coin. On va les retrouver la semaine prochaine, parce que là, il est 23h. Voilà. On va s'arrêter là. Alors, attends, je lis le chat. Je crois que quand on a tous les animaux, on gagne un M-Disc. Et donc, il y a le truc d'avoir tous les M-Disc. Il y a 13 M-Disc dans le jeu. Donc, collectionner tous les animaux entraîne la collection de tous les M-Disc. Je sais plus exactement ce qu'on gagne. Attends, je regarde. Ah, ça, c'est l'appareil photo. Tu vois, là, on voit que, en fait, à la fin, j'ai plus une perle. Là, c'est le dernier M10 que je vais gagner. Il me manque vraiment que 4 animaux pour avoir tous les animaux du jeu. Je sais plus ce qui donne ce 13e, ce M10. On le verra la semaine prochaine, quoi. Normalement, j'aurai tous les animaux la semaine prochaine. Donc là, je vais sauvegarder. Et je finirai ça la semaine prochaine. Donc quand je finirai les abattoirs la semaine prochaine, je ferai donc la semaine prochaine au menu, il y aura la fin des abattoirs, le QG des sections alpha. On terminera toutes les perles du jeu, tous les animaux du jeu, tous les M-disques du jeu. On va choper la dernière perle de Francis au palais. Et je pense que ça nous tiendra 2 heures. On a quand même bien avancé aujourd'hui. Désolé de vous avoir fait basculer de Hitbox à Twitch, il y avait un peu trop de décalage. Je vais continuer mes tests pour voir s'il y a encore du décalage, peut-être ce week-end je testerai ça rapidement. Je sais pas trop pourquoi ça se décale autant, mais bon, désolé pour le problème. Hein. C'est pas terrible, il y a toujours des problèmes de technique. En tout cas, merci à ceux qui étaient là. Enfin, en tout cas, merci à vous deux, Rada et Arkane, qui sont encore là à cette heure-là. Pas eu grand monde ce soir, mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir. Tant que je m'amuse, voilà. Donc, ben, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Et je vous dis ben, à la semaine prochaine, pour lundi prochain, pour la 4e partie du Twitch Beyond Good and Evil. Allez, merci, bonne nuit, à bientôt, ciao.